Je dis Emma Chachache à chaque fin de phrase. Vas-y. T'es beau ton t-shirt Luffy. Merci. Tu veux un cheese des nuggets McDo? Un cheese? Pourquoi tu fais un à chaque fin de phrase, Anya? Je sais pas, un à chaque fin de phrase. Bon, t'arrêtes là. J'aime trop quand tu critiques. T'es excitée, calme tes chaleurs, calme tes ardeurs, ma vie, arrête. Parce que la poutre, elle va se lever. Elle est en acier galvanisé. J'aime trop quand tu dis ça. Allez, démarre. Je démarre. C'est pédale de gauche, pédale de droite. Bon, tu descends de la voiture, Anya. Je vais pas descendre de la voiture, je vais faire mieux que ça. On est un peu serré. Tu peux te reculer, s'il te plaît. T'aimes bien cette position? Ma vie, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux enlever ta main de mon torse? Je sais que tu kiffes. Recule. Je recule pas. Arrête. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on passe aux choses sérieuses? On passe aux choses sérieuses. Je peux me joindre à vous? Je fais croire à mon mec que je me suis fait un vrai tatouage pour voir sa réaction. Qu'est-ce que tu fais, mon petit chef cuistot? T'es déjà rentré? Regarde, j'ai une surprise pour toi. T'aimes bien? Ça fait pas meuf trop stylée? Non, ça fait pas meuf trop stylée, non. Comment ça? Pourquoi tu fais? Mais pourquoi tu fais des tatouages? Mais parce que j'ai envie de faire comme toi, je suis envie de faire un cahier de brouillon comme toi. Tu es une femme, les femmes ne font pas de tatouages. Comment ça, les femmes font pas de tatouages? C'est pour les hommes, les tatouages, c'est pas mais pour les femmes. Mais t'en as bien plein, toi. Oui, mais moi, déjà, de 1, je les regrette tous. Bah moi je regrette pas parce que c'est des cœurs. Justement. De toute façon, même si je regrette, c'est un tatouage. Mais depuis quand on fait des cœurs en tatouage? Tu vois déjà que j'étais assez bête d'écrire Anya juste ici. Toi tu fais des cœurs sur ton visage. Mais ma vie, mais. Quand on fait un tatouage, on le réfléchit. Je sais, tu regrettes. Tout ce que j'ai fait, je regrette. Donc tu vas regretter. Non, promis, j'ai pas regretté. Ma vie. Mais il y a combien de temps? Bah il y a une heure. Ok, on passe aux choses sérieuses. Comment ça on passe aux choses? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais pas du tout. Mais t'es malade ou quoi? Tu as coupé la peau, ma mère. Je croque dans un oignon pour tester l'honnêteté de ma belle-mère. Oh, mais je vais m'évanouir. J'ai trouvé un jeu sur TikTok pour voir si on se connaît vraiment. Genre, c'est un jeu belle-mère, belle-fille. En fait, on va devoir dire. Attends. Nos couleurs préférées, nos trucs préférés, il faut, ok? Je vais commencer, mais par contre, mets-toi un peu par là. On va pas bien dans la caméra. Ok. Alors. Quelle est la couleur préférée de Olivia? Alors moi, sa couleur préférée c'est le bleu. Et toi, c'est quoi? Tu peux parler dans... C'est là-bas que tu dois regarder pour parler, non? Bah oui, mais je te parle à toi. Non, mais... Olivia, concentre-toi. Regarde tes distances, franchement. Comment ça, garde tes distances? C'est quoi ma couleur préférée? T'as pas les masques pour le Covid d'avant? Parce que je crois que... Oh putain, Nia! T'es sérieuse, là? T'as mangé quoi tout à l'heure? T'as mangé un truc chelou, hein? Ah, non, pas du tout. Oh, t'as mangé un rat mort. J'ai pas mangé un rat mort. T'es sérieuse, Anya? Mais pourquoi tu t'assignes quoi? Oh putain, elle, franchement. Quoi? Franchement, là, tu pues de la gueule. T'es sérieuse? Oh, c'est genre. Mais ça va. Les expressions qu'on dit le plus, quand une meuf elle t'énerve, tu la supportes plus, tu peux plus te la voir, t'as envie de l'encastrer. Pétasse. Oh la pétasse. Ah, ça m'énerve. Ah, là, c'est une pétasse. Quand quelqu'un, genre, dans la rue ou quoi, on a trop de la peine pour lui. Bah, j'ai envie de donner de l'argent. Non, on dit quelque chose, on dit. Oh. Quoi? Oh, Musky. Oh non. Oh non. Non, t'as un truc de ouf à me raconter. Un truc de ouf, là, tout de suite, t'as un truc de malade à me dire. Viens, viens, assis-toi, faut que je te parle. Je te jure, tu vas être choqué. Regarde là, la pipelette. Un commerce. Quand on est dans le lit et que t'appelles notre chien pour qu'il vienne te voir. Viens, papa. Allez, viens. Eh, viens, papa! Arrête, elle va venir vraiment! Quand on vient d'apprendre un truc de ouf et qu'on est choqué. Leicester! Un facile pour la route quand t'as trop la dalle. Bah, j'ai faim, j'ai la dalle. Non? J'ai les crocs! Zizou va aller en prison et ce n'est pas un prank! J'ai pété un cap, sérieusement. J'ai reçu un appel du commissariat et il faut qu'on appelle un avocat d'urgence. Faut appeler Sarah, putain, vite, la merde! Vas-y, j'arrête tout de suite! Olivia, calme-toi, ça va s'arranger, ça sert à rien de... Mais arrête de me filmer, je crois que c'est le moment, là, ça se voit, la merde! Salut, Sarah. J'ai vraiment besoin de toi, là. Attends, là, c'est CRS, j'ai un sac à voir, franchement, là, je peux pas. Non, mais je m'en fous, là! Sarah, c'est vraiment important, là, Zizou, il a besoin de toi, la merde! Je m'en fous de ton sac! Tu m'appelles? Non, mais... Attends, je gère juste un truc, je te rappelle, ok? Mais non, c'est pas possible, là, c'est vraiment ultra urgent, là! Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais là, faut que tu viennes tout de suite, s'il te plaît, Sarah, s'il te plaît. Ok, envoie-moi un véhicule, j'arrive. Ah, je t'envoie tout de suite, merci. Ça y est. Mais il est où, mon fils, Sarah, là? Il est où? Calme-toi, calme-toi, il est là, calme-toi. Oh, merci, Sarah, je suis soulagée.
C'est formidable. J'ai passé une soirée, une journée. Ils sont où ces chaussures? Oh là là. Du coup, franchement, il s'est passé quoi? Sarah, dis la vérité. Ouais, je pense que ça va aller au tribunal. Arrête. Attends, mais arrête de filmer. Arrête. Je teste ma mère pour voir si elle va couvrir Ania. Je suis choquée. Maman, je peux te poser une question? Oui. Toi, tu parles pas, tu te tais. Psst. Pourquoi elle va parler? Maman, tu sais, hier soir, ouais. Quand Ania a dit qu'elle allait chercher McDo, oui. Elle m'a dit qu'elle allait passer te voir. Hein? Bah oui. Donc, look tout ma mère, le look devant. Maman? Oui. Elle m'a dit que vous êtes restés 30 minutes ensemble. Oui, 30 minutes. Non, elle m'a dit 20 minutes. Oui, entre 20 et 30 minutes, on a discuté, oui. Ah non, je crois qu'elle m'a dit 10 minutes. Tu m'expliques, c'est quoi cet écart, maman, de 20 minutes? Mais y a pas d'écart, c'est, on a discuté. Y a un écart de 20 minutes. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu regardes ta montre? Non. Mais bizarrement, elle a pris une heure. Donc tu m'expliques? Bah oui, c'est parce qu'on s'est éternisé à parler. Je comprends pas, on passe de 15 à 20 à 30 à 1 heure. Eh ben, tu crois qu'on regarde le temps? T'as une montre, toi? Moi, j'ai pas de montre. Maman, t'es pas un peu en train de mentir? Non. Mais elle a quand même le droit de venir me discuter avec moi en prenant un McDo, quand même, non? D'accord. Non? Bah oui. On dirait que j'ai fait un crime. Parce que hier elle est pas allée au McDo. Je suis trop contente, j'ai reçu mon colis Chine. On va les essayer ensemble. À ce qui paraît, j'ai reçu que des pépites, donc c'est pas sûr, on va voir ça. On commence par du très très lourd, les filles. Une combinaison short. Oh, même combinaison en mode cocooning. La matière elle est tellement douce, mais je suis trop à l'aise dedans. J'ai trouvé mon combo parfait. Alors ce jean, les filles, mais je vais le mettre tous les jours. Il est tellement beau en mode mom comme ça. Avec le petit crop top. J'enchaîne sur les hauts parce que j'en ai pris pas mal. Donc là, j'ai pris un crop top, mais en mode long. Je sais pas si vous voyez. C'est hyper classe. Oh, je suis fan. Bon, je sais que je suis plus trop dans le thème de Barbie, mais ce haut, il aurait trop bien collé. En plus, il est flashy comme j'aime. Pour en finir avec les hauts, j'ai pris ce magnifique crop top. J'ai aussi craqué pour ce magnifique jean, les filles. Bon, cette fois, il est bleu avec le petit trou, toujours. J'aime beaucoup. Et ce crop top asymétrique. Et je termine encore par une combi, mais cette fois c'est en mode long. Oh, voilà, j'ai fini ma commande Chine, je suis trop contente, il n'y avait que des pépites, j'ai plein d'habits, je suis trop contente. Quoi? J'ai retrouvé un caleçon qui m'appartient pas dans les affaires d'Ania. Enfin, il m'appartient, mais ça, elle sait pas encore. Tu veux que je t'aide, ma vie? Non, ça va, t'inquiète. T'as l'air fatiguée. Regarde-moi. Non, faut que je t'aide. Attends, je vais te faire tes affaires. Tu veux trier le blanc avec le blanc, le noir avec le noir? Bah ouais, je veux bien. Et les couleurs avec les couleurs. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas, je viens de le découvrir en même temps que toi en direct. T'as mis ton caleçon dans ma valise? Bah. Ah, ça, et ça sent pas ma bite. Tu m'expliques ça à qui? Mais c'est pas moi. Mais c'est à qui? Mais qui c'est qui a mis ça dans ma valise? Mais c'est une blague ou quoi? Pourquoi il y avait ça dans ma valise là? Oh là là! Qu'est-ce qui c'est? Bah ouais, oh là là. Non, ma vie, je te jure, c'est. C'est à qui? Mais c'est. Alors là, je comprends. C'est le caleçon à qui? Je sais pas que. Donc toi, tu te manges des autres zizi? Mais non, là, mais non, je te. Bah, c'est à qui? Mais je sais pas, arrête de crier, ça me stresse, je sais pas qui c'est, je sais pas ma vie. Arrête, ne me touche pas ton cinéma, je trouve des caleçons sales là. Non, c'est pas. Non, en plus, il a l'info. Non, mais c'est pas ta vie. Non, mais vas-y. Mais comment tu peux savoir? Vas-y, comment ça, je peux. Non, mais je te jure, c'est pas pour la vie. Pourquoi tu t'énerves? C'est à qui? Non, je te jure, je m'énerve parce que c'est pas à moi. Justement, c'est pas à moi, je comprends pas ce qu'il fait là en fait, je suis désolée. Putain, Karine, fais chier. Donc, quoi? Je fais croire à Ania que je veux qu'elle refasse. Mais là, j'ai une question, mais c'est un peu délicat. J'ai peur. Le prends pas mal, bébé, mais Mélanie, est-ce que t'as refait tes seins? Bah oui. Comment ça, c'est non, attends! Non, bébé, j'aimerais bien du coup que tu refasses aussi tes seins. Tu sais que là, les mains, ils sont divorcés. Pourquoi? Bah parce qu'il y a déjà un écart. Donc c'est pas les plus beaux seins du monde, mais c'est pas mal. Mais toi, c'est ta des seins aussi. Mais moi, tu. Bah moi, j'aimerais bien qu'ils soient. Mais non, bah, je peux pas. Bah quoi? Les fesses, je suis d'accord qu'elle le fasse pas, mais au moins les seins, pourquoi pas? On est. Pourquoi pas? Mais pas les fesses, attention, parce que je te jure que ça coûte cher au niveau classe économique, donc on prend deux chaises. Oh, ah ouais? Ça coûte cher. Ouais, et en plus, c'est moche, en plus, si tu grossis, et ben la casse, elle descend sur tes cuisses, et après, tu peux jamais les enlever. Mais par contre, les seins, les nichons, c'est top. C'est top, je suis d'accord. Ah, j'adore les nichons! Je le prends très très mal par contre, je le prends très mais très mal. T'es oui, belle, je veux très beau. Oui. Mais c'est pour toi. Non, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Je peux pas refaire mes seins. Bon, j'avoue, ça coûte cher en vêtements. Je vais pas. Comment ça, tu veux que je refasse mes seins? Tu te prends pour qui? Une TikTokeuse mystère me rejoint à Dubaï. On va faire deviner à Zizou, c'est quelqu'un qui l'adore, il va être trop content. Je vais vous donner des indices et vous aussi, vous allez devoir deviner. Ma vie?
J'ai une surprise pour toi. Bon, la surprise arrive que demain. C'est une personne qui est vivante. Ce n'est pas un objet. Il ou elle arrive. Non, mais un indice, c'est une fille ou un garçon? Bon, c'est une fille. Ah, bah, c'est ton âge, je voulais pas un garçon. Comment ça, tu voulais pas un garçon? Bah, j'ai une belle fille qui nous rejoint. Comment ça, une belle fille? Bah, une belle fille qui nous rejoint. Ok, elle est très très jolie. Je vais sortir avec elle. Elle est blonde. J'aime bien les brunes, moi. Ah ouais? Bah oui, comme toi. Elle est blonde. Et c'est quelqu'un que t'adores vraiment beaucoup. Mela Knight? Je sais pas. Ma vie. Un autre indice? Oui. C'est une TikTokeuse et tu la suis sur TikTok et ça commence par la lettre O. Je connais pas de TikTokeuse qui commence par O. Mais ma vie, si. Mais c'est qui? Bon, bah tu verras demain. Et elle arrive quand? Demain, tant pis pour toi. Bon, on y va maintenant. Non, elle arrive demain. On verra demain. Allez, ciao. Dors. Je dis à mon copain de m'acheter le nouvel iPhone 15 pixels au max alors que j'en ai déjà. Tu fais pas à manger? Je te prépare à manger parce que t'es pas capable de me préparer à manger. Oh, t'es trop mignon. Ça va être mignon, mais bon. Je sais pas, mais j'avais un truc à te demander. Dis-moi, mon bébé. Bah, en fait, cet iPhone-là, là, il m'a saoulé. Ouais. Et du coup, bah, j'en veux un. Je te demanderais si je t'en achèterais pas un nouveau. S'il te plaît, ma vie. Alors, t'as le dernier iPhone 15 Pro Max. Oui, mais j'ai pas le maximum. J'ai pas les 1 tonne de gigas. Comment on appelle ça, là? Une tonne, là? Je sais pas quoi. Est-ce que tu mérites que je te le paye? S'il te plaît, ma vie. Franchement, il est nul, celui-là. Il est pas beau. En plus, j'ai une autre couleur. Elle m'a saoulé, le noir. Est-ce que je vais être ton petit pigeon aujourd'hui? Hein? Est-ce que t'aimerais que je sois ton petit pigeon du jour? Mais je te jure, je fais tout ce que tu veux! Vas-y, viens me la toucher. Hein? Non, mais pas là, ça! Là, je vais faire de la simple touche pendant ton TikTok, viens me la toucher. Mais t'es malade ou quoi? Tu veux un iPhone ou pas? Oui, mais. T'attends quoi? Mais non, mais arrête! Allez. Hein? Allez! Arrête! Non! Pas d'iPhone. S'il te plaît! Bon, ok, tout à l'heure. C'est... Non! Je vous explique, on s'est fait un calendrier de l'Avent XXL. Donc moi j'ai fait des cadeaux à Zizou et Zizou m'a fait des cadeaux. Donc c'est parti, je vais ouvrir la case numéro 1. Vas-y ma vie, tu peux prendre ta case numéro. Mais ma vie, il n'y a pas 24 cadeaux là. Parce que j'ai pas été en train de les emballer, bah toi non plus. C'est quoi, c'est tout petit là. Ça n'avait pas de bruit. C'est quoi, c'est un piège. Oh, histoire d'or. C'est quoi, c'est quoi? Je précise que c'est pas une collaboration, mais voilà quoi, j'ai payé. Bah oui. Oh, il est trop c'est bon des petits cœurs. Ah genre là, le gros c'est toi et le petit c'est moi. Voilà. Oh, c'est drôle. T'aimes pas. Elle préfère un Van Cleef ou un Cartier. Mais non, mais j'en avais pas, mais ça va être. Mais oui, c'est histoire de dépanner. En attendant. Bon, viens, tu l'essayes. Allez, tu me mets. Tu peux juste lever tes cheveux, s'il te plaît. Ah, pardon. Hop. Évitez de... Waouh, il est trop beau. Ah, j'arrive pas, en plus tes fesses, elles sont collées, donc ça... Vas-y, concentre-toi alors. Il est trop mignon. C'est vrai? Oui. Merci ma vie, je suis contente. Ça commence bien, j'ai trop hâte de voir demain. Hé hey. Je suis en train de voir ta télé. Touche c'est... pas. C'est mou. Je lui fais croire que j'ai kidnappé un mec. Chaque fois qu'un de nous deux disait un gros mot, il devait mettre 20 euros dans la cagnotte de l'autre. Donc celui qui a dit le moins de gros mots empoche les cagnottes.
Bah c'est moi qui ai gagné. Bah non, c'est moi. Toi tu dis que des gros mots à longueur de jeu. Ah mais tu fais chier, toi tu dis c'est moi j'ai gagné. Mais toi tu fais chier, tu verras, c'est moi j'ai gagné, merde. Ok. Mais pour... Ah mais c'est pas triche, il m'a mis un papier. Mais t'es sérieux? Mais... Les gens, celui qui trouve le montant exact des cagnottes, je lui donne la cagnotte. Mais t'as triché? Hé hey. Mais je suis pas... Je sais pas. T'en as plus que moi. Ouais. Ouais. Mais comment t'as la cagnotte à la personne qui trouve le montant exact? La personne qui trouve le montant exact de la cagnotte mélangée, ouais. Ça, on lui offre. On lui offre. Bah moi j'ai perdu hein. Tu sais quand je te dis que je parle mal avec ta bouche sale. Mais attends, mais il a osé mettre un bout de papier. Mais qui fait... Mais t'es là. Bon, ça je t'en donne un. Tu m'en donnes deux. Aïe, mais c'est mal. Oh, il a réussi. J'ai gagné. C'est ça, t'as tout là. Bah c'est moi qui ai gagné. Oh, on a cassé la voiture à Zizou. Il va péter un câble. Oh là là. Regardez les gens comment ça fait trop réaliste. On dirait que son pare-brise il est cassé avec une balle. Le jour où j'apprends qu'il m'a trompé, sa voiture je la défonce. Je vais l'appeler. Allô, je suis à la caisse, j'arrive. Ma vie a un problème. Quoi? J'ai cassé ta quoi? Voiture, ta voiture elle est cassée. Ah là je suis parti 5 minutes payer un truc. Mais wesh. J'ai pas fait exprès. Et en plus je veux que je te parle un gosse. Je sais même pas regarder une voiture 5 minutes et tu vois un gosse. Mais t'es sérieux là? Mais j'ai... J'ai trouvé... Oh mon dieu, elle arrive. Mais j'ai pas fait exprès ma vie. La voiture. J'ai pas fait exprès. Oh, j'ai pas... C'est la balle. C'est la balle ma vie. Elle a cassé la voiture. C'est les enfants. C'est les enfants madame, c'est pas moi. C'est pas nous. J'ai pas fait exprès. C'est qui va encore payer? Bah c'est toi ma vie, c'est ta voiture, j'ai pas fait exprès. Oh, doucement, tu l'as cassé. Tu l'as cassé plus là. Mais oui, mais... Agnès, je veux que je te fasse un gosse et tu sais pas me garder une voiture 2 minutes. Mais... 2 minutes. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est les enfants. Ah. Elle part chez Mel pour une pyjama partie entre filles. On va voir ça alors. Ma vie, tu vas où? Bah je suis chez Mel. Tu vas chez Mel? Ouais. Genre pyjama partie entre filles. Hein? On y va entre filles, comme tu viens de le dire. T'es pas invité. Je suis pas invité. Bah non. Pourquoi? T'es pas une fille. Bah si, je suis une fille. Bah non, t'es un garçon, ce que je cherche. Bah non, j'étais une fille. T'as quoi entre les jambes? Une zigounette. Ah. Donc t'es un garçon. Bon, bisous, moi. Tourne-toi. Bisous de dos. Encore une dernière. Oh là là, tu me fatigues. Hein. Ma vie! Mais je reviens vite! Mais non, j'en manquais. Mais toi aussi, mais c'est pas grave, c'est pyjama partie. Pyjama partie. Pyjama partie. Bon, bah, bisous, ma vie, je t'aime, hein. Bisous, je prends pas mon sac. Hein. Prends pas, viens plus. Like si tu veux la partie. De... Je mets un collant poil pour voir sa réaction. Viens, on y va, on fait la balade. Bah ouais. La petite balade à chouchou, on y va? Non, non. Quoi? Bah quoi? Quoi, ils sont foncés comme ça? Comment ça? Ah, mais t'as besoin d'une épilation, toi, viens voir! Quoi? Mais viens voir! Quoi? Mais quelle horreur! Mais je suis choquée, t'as jamais eu des poils aussi! Mais pourquoi ils sont. Aïe! Agna, wesh, ça fait mal! Pourquoi ils sont noirs comme ça? Je peux te les couper! S'il te plaît, je peux te les raser! Et puis là, non! Dans ma vie, pourquoi ils sont noirs comme ça? Ouais, mais ils sont doux! Regarde, touche! Mais, ça me... mais qu'est-ce que t'as à faire, tes poils? Ils sont pas comme d'habitude! Tu connais mes poils d'habitude? Mais oui! Attends, j'ai besoin d'une loupe. Hein? T'es complètement taré. Attends, c'est pas tes poils de d'habitude, ça. Qu'est-ce que t'as fait à tes poils? Quand je chauffe, ils s'envolent. Mon plat préféré, c'est la pizza. Et Sarah, c'est les sushis. Je pense que le plat préféré d'Anya, c'est la pizza parce qu'elle en mange tout le temps. Et moi, c'est aussi la pizza, mais surtout les sushis. Alors moi, ma marque de luxe préférée, c'est...
Hermès. Et je pense que Sarah, c'est aussi Hermès. Alors, je pense que la marque de luxe préférée d'Ania, c'est Hermès. Peut-être qu'elle a mis Van Cleef pour les bijoux. Moi, ma marque préférée, c'est évidemment Hermès. Et pour les montres, Patek Philippe. Mes destinations de vacances préférées, c'est les Maldives. Et je pense que Sarah, c'est Dubaï. La destination préférée d'Ania, je suis quasiment sûre que c'est Dubaï. Et moi, c'est plutôt Monaco. Et j'aime bien Tel Aviv aussi. Alors moi, mon animal préféré, c'est le chien. Et je pense que Sarah, c'est un chien aussi, parce qu'elle a un chien. En plus, c'est un chihuahua. Je pense qu'on a toutes les deux le même animal préféré, parce qu'on a toutes les deux un chien. Donc je suis quasiment sûre qu'elle a dit chien pour elle et chien pour moi. Moi, ma marque de voiture préférée, c'est Lamborghini. Et c'est la Urus, plus précisément. Et Sarah... Ben en fait, je crois qu'elle en a pas, parce que elle s'est toujours pilotée. Je pense que la voiture préférée d'Ania, c'est une Mercedes classe E. Et moi... comme j'ai jamais conduit, je sais pas trop quoi vous dire, mais je dirais quand même une Porsche si je devais choisir. Si t'as un mec bien, si tu quitterais ta meuf, comment tu le ferais? En face à face. Ça c'est cool, parce qu'il y a de l'embrouille. Deux. Ah mais tu la quitterais face à face, genre ah, t'as ouais. Pas le temps. Hein? C'est un fantôme. Ouais, genre tu lui dis pas que t'es plus avec elle. C'est nul. Ok, donc ça va. Par message. Top 3. T'es sérieux? J'aime bien briser des cœurs. Et des cœurs. Mais t'es... Par mail, mais qui envoie des mails en 2024, MDR? Tu lui envoies des mails? Non. Un buisson? Mais les buissons, c'est fait pour faire d'autres choses. Mais qui quitte sa meuf dans un buisson? C'est quoi ça? La violence! Mais non, c'est pas la violence, c'est genre en soirée. Oh, sur les réseaux sociaux, genre t'annonces à tout le monde que t'es célibataire sur les réseaux sociaux. Ça, c'est trop ton style. Oh, en public? Dans une vidéo? Ouais, non. À la télé? Oh là là, tu la trompes. Tu la trompes. Tu lui dis pas, tu la trompes. Oh, mais c'est. Oh, au téléphone. Top 4. Franchement, t'es pas gentil comme mec, hein. Ah, je vais me méfier de toi. Agnès, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire sauter ma mère aujourd'hui? Bah, ouais, tu crois, 1m40? 1m40. Mais ça va pas ou quoi? Bah, pourquoi? Mais ça faisait pas bien ou quoi? Bah, Zizou, il l'a fait. Mais lui, c'est. À ton tour, maman. Non. C'est maman, t'arrêtes de me faire du cinéma dans le coach, là. Je m'en fous, je te dis non, c'est non. N-O-N. Allez, tu montes sur le cheval. Non. Je t'ai dit non, c'est non. Je t'ai déjà dit, c'est pas toi qui commande, t'as compris? Est-ce que tu pourrais me lâcher? Je te lâche pas. Bah, tu fais la honte devant Anis. Je m'en fous, je monte pas. Aïe, en plus tu m'assommes. Allez, c'est parti à cheval. T'es gentil avec moi. Avec ma t'as vieille. Peur? Oui, j'ai peur. Maman monte sur le cheval, tu sais faire. Comme une chèvre. Tu penses qu'on peut la faire tomber? Ouais, t'inquiète, c'est prévu. Non. Allez, comme ça, regarde bien le milieu de l'obstacle. Là, maman. Allez. Bravo. Bravo. Eh ben, bravo. Alors, ça va? Tu vas encore plus haut? Ouais. Jusqu'à 2 mètres. Oh, je vais jusqu'à 2 mètres. 2 mètres. Les gens, ça y est, c'est parti. On va se devoir sauter les 1 m40. Alors, t'es prêt? J'ai le choix. Non. Donc c'est quoi que je vais devoir sauter réellement? 1m40. Ah c'est vraiment ça? Ouais c'est ça. C'est parti. Oh. Magnifique. Bonjour à toi. Ouais super bien ça. Là il sait pas. Mais c'est maintenant qu'il y a les 1m40. Faudrait... Les filles, relevez! Waouh! Bien joué! Merci! Défi réussi! Merci Anis! Aujourd'hui, les gens, je vais acheter un deuxième chevaux et Anis, j'ai besoin de toi parce que j'hésite entre 1K et Ultra! Les gens, regardez comment il est trop mignon! Ultra, regardez comment elle est trop belle et en plus, ça ferait une copine à Dreaming! Bon, les gens, là, on essaye Ultra, c'est une jument parce que Dreaming, elle a besoin d'une copine et si elle me convient pas, on essayera le deuxième chevaux! Allez, c'est parti! Regarde le suivant. Ouais, reprenez-la un peu. Jambes. Parfait, regarde ton double. Là les gens, on essaye 1K. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un coup de cœur pour lui.
Je pense qu'il serait bien avec Dreaming à la maison. Jambes. Genre, dites-moi dans les commentaires si je prends un cas, si j'achète ultra. Attendant, Anis a été gentille et a offert le petit Falabella pour Anya parce qu'hier elle l'a kiffé. Bon, je l'emmène chez moi. Avait rendez-vous au restaurant à 21h et genre il est 21h22 donc on sait pas si on va être accepté au restaurant, donc c'est une galère. On va se retrouver au buffet à volonté alors que j'ai vu une robe, un sac. Quoi ? Regardez l'hôtel vu de dehors, waouh, et notre chambre elle est ici. C'est trop beau, mais la journée c'est encore plus beau. Bon, du coup, ça y est, on est au restaurant. Bébé, tu penses qu'ils vont nous accepter ou pas ? Vas-y, vite, on va voir, vite. Oh my god, y'a personne dans le restaurant, genre on dirait c'est fermé. Regardez, y'a personne, mais c'est une blague. Hello, reservation. Yes. On a été accepté, on va manger, j'ai trop faim. Regardez, on a une grande table juste pour nous. Trop bien. Bon, du coup, je vous explique qu'on est dans un restaurant turc, donc on va voir si ça va être bon ou pas. Oh, beau ma FC. Wow. Je vous explique, pour lire la carte, je comprends absolument rien. Genre, c'est hyper dur, je sais pas ce que je prends. Enfin, c'est comment ? J'ai clairement pris des trucs aléatoires, donc on va voir ce que j'ai pris. Regardez, manger à Zizou, c'est quoi ? Être face à un mur. Genre, les agendas sur le téléphone. Allô, Pépé, ça va ? Ça va ? C'est pas cher, les Maldives. Bon, j'ai commencé par une soupe aux lentilles, donc on va voir si c'est bon. Trop bon. Oh my god, regardez, c'est trop beau. On va trop bien manger. Je vous explique, c'est pas du tout ça qu'on a pris. Genre, avec du son, on comprend même pas ce qu'on a pris. Mais ma vie, t'as pris du poulet ? Oui, je sais pas. Et ça, c'est quoi ça ? Mais de base, moi, j'ai pris des potatoes et je me retrouve avec ça, je comprends pas. C'est une blague, ils m'ont dit que j'ai pris ça, j'ai jamais pris ça et lui, il a pris ça. Non, mais MDR. Je comprends plus rien, je comprends plus cette langue, je sais plus, je suis perdue. Bon, bah, du coup, heureusement que j'ai pris des frites parce que j'ai mangé que des frites au ketchup. Super. Les filles, je suis passée chez H&M, je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Faut savoir que chez H&M, de base, j'achète jamais rien parce que je trouve rien. Là, j'ai craqué pour des petites choses. Alors déjà, regardez-moi ce pantalon. Oh, j'aime trop, il est super beau, j'ai droit de l'essayer. Là, j'avoue, je suis passée un petit peu en mode hiver. Donc, j'ai pris un petit pull comme ça. Je me tiens super chaud, genre la matière, elle est polaire. Regardez-moi la couleur de la chemise, s'il vous plaît, elle est pas sublime. À chaque fois, j'ai toujours des chemises blanches. Et là, j'ai vu celle-ci, j'ai complètement craqué. J'ai pris un jean blanc, parce que je crois que j'ai plus de jean blanc. Mais je suis pas très très sûre de ce jean. Donc on va l'essayer, on va voir. Oh, il taille super bien. Attendez, je vais l'essayer avec le haut gris pour voir comment ça va porter. Mais rien que le jean, il est trop canon. J'aime beaucoup. Bon, je sais pas trop si ça va ensemble, les filles, mais le haut, il est trop beau pour l'hiver et tout. J'aime trop. Par contre, il tient vraiment, vraiment chaud. Là, genre là, j'en peux plus. Le pantalon, les filles, est à 29,99€ et le haut, il est à 19,99€. Les filles, on est profité pour essayer la chemise. Bon, bien évidemment, j'essaye tout ensemble, mais quand je les essayerai, par exemple, je les mettrai, ce sera pas du tout avec cette tenue. Mais la chemise est vraiment incroyable. Bon, voilà, le pantalon, les filles, je sais pas trop. Ah, c'est des fausses poches. Je sais pas trop quoi en penser.
Je sais pas si je le rends ou si je le garde. Je suis en pleine hésitation. Voilà, j'espère que vous avez aimé mes achats. Aujourd'hui, je suis chez Bandapart. Bandapart, si vous connaissez pas, c'est un magasin de valises ultra stylé. Je vous explique qu'il y a des valises super flashy qu'on voit nulle part ailleurs. Et en fait, elles sont toutes uniques parce qu'on peut toutes les personnaliser avec des bandes. Attendez, je vais vous montrer. En gros, première étape, vous choisissez la couleur de vos valises. Donc, vous avez beaucoup de choix. Deuxième étape, vous voyez toutes ces bandes. Et ben en fait, vous pouvez les coller sur les valises. Donc, regardez, elles sont toutes personnalisables. Par exemple, Zizou, il a pris cette valise avec cette bande et c'est lui qui l'a customisée. Alors que de base, regardez, un modèle d'expo, c'était cette bande. Olivia, elle a pris cette valise bleue. Elle est trop belle avec la tour Eiffel. Elle est trop belle, Olivia, ta valise. Tu vas toucher ça, je te le dis. Non, ok. Et moi, bah j'hésite comme d'habitude, je sais pas laquelle choisir. J'hésite entre la vert kaki, mais bien évidemment, je vais changer la bande parce que militaire, j'aime pas trop. Ou alors les filles, la rose Barbie, mais waouh, elle est trop belle celle-là. Mais avec la rose Barbie, on va en voir partout à l'aéroport, ça fait trop trop flashy. Sinon, j'aime beaucoup celle-ci aussi, elle fait beaucoup plus discrète, mais elle fait tout aussi girly. Bon, du coup, j'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à choisir entre ces trois couleurs. Et surtout, j'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à choisir toutes ces bandes. Oh my god, je suis perdue. Regardez, je viens d'essayer ce modèle, dites-moi si vous aimez bien ou si je change. Psychopathe test. Si vous baissez plus de 5 doigts, vous êtes un putain de psychopathe. Commençons. Baissez un doigt si vous croquez dans la glace. Baissez un doigt si vous pouvez pleurer sur commande. Baissez le doigt si vous riez quand les enfants trébuchent et tombent. Baissez le doigt si vous êtes vierge, gémeaux, sagittaire ou poisson. Baissez un doigt si vous étiez un enfant calme. Baisse le doigt si tu peux goûter différentes sortes d'eau. Baisse le doigt si tu t'énerves quand quelqu'un respire trop fort. Baisse un doigt si vous pouvez reconnaître les gens à leurs pas. Baissez votre doigt si vous avez déjà fait pleurer la première personne que vous voyez quand vous cliquez sur partager puis sur plus. Baissez un doigt en bas si vous avez plusieurs personnalités pour différentes personnes. Commentez le nombre de doigts que vous avez baissés, espèce de psychopathe. Et abonnez-vous pour plus de baisser un doigt-ci. On est à Dubaï, on est en train de faire du ski. Regardez, il y a des télésièges et tout, comme dans le vrai ski. C'est on pas a... un télésiège, c'est un télépéage. Mais vas-y toi, va dormir. C'est là où ça monte tes fesses. Oui, c'est un tire-fesses, c'est pas ça, c'est un télésiège. Vraiment personne, et moi je vais faire cette descente-là. Regardez comment elle est immense. La descente des nazes. C'est la piste verte, c'est moi, ça en haut. Et là-bas, il y a une piste rouge, mais jamais de la vie je fais ça en fait. Et Olivia, elle sait pas skier, du coup on va voir ce que ça donne sur ouais, la piste. J'ai déjà skié, mais j'avais 13 ans. Voilà. Classe de neige, classe de... Regardez. Non, et j'ai eu ma troisième étoile. Wow. Bon, du coup, Zizou, il continue sur son télésiège tout en haut et nous, on s'est arrêté ici. Regardez, Zizou, il est tout en haut. Allez, c'est parti. Maintenant, avec Olivia, on va descendre la piste verte. Vous êtes prêtes, les nazes? Anya, je crois que t'as oublié ma mère, hein. Maman, 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 tu fonces dans le mur. Concentre-toi. Maman, arrête de faire la meuf, tu vas tomber. Ah, j'ai déjà descendu une moitié. Ma mère, est-ce tout mais, ça là, tu crois qu'elle a fait un truc de ouf ou quoi? T'as fait un truc vert pour les bébés? Ma vie, j'en peux plus, c'est trop dur. Zizou, il est descendu tout là-bas, maintenant c'est à nous de le rejoindre. T'es prête, Olivia? Ouais. Regardez, Olivia, elle commence. Moi, je la suis. Wouh, allez, c'est parti. Regardez comme on est vraiment des pros. J'ai très, très peur. Je m'endors tout habillé pour voir la réaction de mon copain. J'ai même gardé les chaussures et le sac mort de rire, j'espère qu'il va tout m'enlever. Il est long, je commence à m'impatienter. Il arrive. Je viens, on mange. Hein? Ma vie, tu fais quoi? Tu dors? Tu dors, ma vie? Tu vas pas dormir tout habillé quand même. Attends, je vais te déshabiller. Oh mon petit bébé. Oh là là. Tu dois dormir tout habillé, ma vie. Ma vie, t'as faim? Je t'ai ramené des petits gâteaux. On se réveille? Alors, comme ça, on dort tout habillé? Pourquoi il pleut dans mon rêve? Oh, il pleut dans ton rêve. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il pleut dans ton rêve. T'es
T'es sérieux? Les invités, t'es maquille toi. C'est l'heure de manger, j'ai faim. Mais t'es sérieux, toi, tu crois que je suis ta kunchita? J'ai faim! Mais c'est pas à moi de te préparer à manger, je suis pas ta daronne! Mais t'es pas là ou quoi? Non, mais même pas, ton vieux TikTok. Il est même pas mignon, lui, mais il est sérieux ou quoi, là? J'apprends à la mère de Zizou d'émeraude de jaune. Ma vie, ça a toqué? C'est ta mère, ouvre-la. Allô, maman? Ouais, je viens ou bien l'équipe? Ah, mon poteau? Bien? Ouais, Shania, j'ai la dague, y'a pas un truc à grave, hein? Je sais pas, regarde dans le frigo, Oli. Putain! Fais pas le crevard, commande un McDo, là! Bah, grave! Vas-y, là, j'ai faim! Wouf, tu joues à quoi, chacun, là? D'où tu poses ta bouche sur la bouteille, là? Et nous? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi elle parle comme ça? Sérieux, là? Pas envie, il y a de la chatte. Je la balance avec son Snapchat. Mon dans la wagon et ferme ta chatte. Encore une machine qui finit à quatre pattes. Mais non, c'est pas drôle. Mais non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, bordel. Mais bien sûr que c'est à la mode en ce moment. Mais t'es une daronne qui finit à quatre pattes. Mais maman, mais maman. Et je suis ta daronne, tu dois être fière de ta mère. Apprends-la, toi aussi. Viens, fais les pas, on veut la traîne, là. Reviens. On inscrit ma mère sur un site de rencontre pour voir sa réaction. Mais il est bien ce profil. Mais il est trop bien avec ça, on va pouvoir lui trouver un mec. Mission, trouve un mec. Ah bon? Maman. Quoi? Regarde. Je suis une femme célibataire, je cherche un mot. T'es sérieux là? T'es sérieux de faire ça là? Mais quoi, on va trouver un mec, t'es pas obligé de crier. Mais ça te regarde pas là, c'est parce que c'est terminé, c'est comme... Mais tu te mets en merde, la maison des mecs, tu te mets toute de ta Tu vas mettre... Tu veux pas être sur un site de rencontre? Mais ça va pas ou quoi? Je veux pas dire ça! Ok, c'est bon, pardon. Ça va pas ou quoi? Tu veux que je supprime? Je le supprime? Non, pas pour l'instant. Ok, bon, laisse tranquille. Bah, maman. Quoi? Qu'est-ce que tu fais sur Tinder, là? Rien. Mais je croyais que tu voulais pas être sur les sites de rencontre. Bah non, mais là, je veux parler avec Théo. Théo? Mais c'est qui Théo? Bah c'est Théo! Ah bah c'est... Non mais... C'est pas mal hein. Oh mon dieu, je suis choquée. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il m'a envoyé sa teub. Oh, elle est énorme. Mais c'est quoi ça? Eh bien, est-ce que je leur donne l'astuce secrète pour qu'ils gagnent plein d'abonnés et qu'ils percent sur TikTok? Oui. Mais de toute façon, ce TikTok il passera même pas dans vos... Pour toi, et seule l'élite verront... Enfin, verront ce TikTok. Il y a le nouveau son que je vais te mettre juste ici. T'as juste à faire un TikTok dessus. Et tu verras, tu vas percer les lieux. Et surtout, tu vas gagner plein d'abonnés. Bébé, est-ce qu'on passe liker tous leurs TikTok? Oui. Avec ton compte? Avec le tien aussi. Et ben, on passe liker tous vos TikTok, identifiez-nous. Je lui ai mis un AirTag dans sa chaussure. J'en ai peur. T'es pas, c'est où ma vie? Bah, je suis partie faire du sport. Non, t'es pas partie faire du sport. Bah, si. Quand même. Mais c'est quoi ça, comme ça, je suis parti faire quoi là? T'insinues quoi? Tu m'as pas trompé? Mais pas du tout. Comment ça, t'insinues que je te trompe moi? Moi je trompe pas les mecs en fait, t'es malade ou quoi? Tu étais où? Je suis partie courir. Là t'as un sourire de menteuse. Non. T'es sûre? Mais oui, pourquoi? Tu sais que j'ai pu voir ta position en temps et en heure. Ah bon, comment? Regarde ta chaussure. Ma chaussure? Enlève tes chaussures. C'est bizarre toi. T'as quoi ma chaussure? Bon, vas-y, regarde dedans. Putain, t'es sérieux là? Vas-y, enlève. Mais t'es sérieux? Mais t'as pas confiance en moi, t'es sérieux? Mais tu te fous de ma gueule! Pourquoi tu fais ça? T'as pas confiance t'étais en moi? Où? Tu étais où? Mais je suis partie. T'es partie où? Mais voilà. T'étais avec un mec? Non, pas du tout. La même meuf, j'étais pas avec un mec. Pourquoi tu chouines alors? Parce que. Vous croyez jamais. Mais. Ah! Voilà où j'étais. T'as payé quoi? Bah avec ta carte. We'll be right back.
Je me mets en bon pour faire les courses et regarder sa réaction de macho. À tout mon petit sucre, je vais faire les courses. Je t'aime, ma vie. Je t'aime, tu penses que je vais avoir froid comme ça ou ça va? Non, ça va. T'es sûr? Mmh. Ah ouais? Bon bah vas-y, à tout de suite alors. J'y vais. Tu vas avoir très froid comme ça, tu vas attraper la crème. Bah non, tu m'as dit que c'était bon. Bah non, c'est pas bon. Ah bah non. Mais je peux attraper la crème, ma vie, j'ai pris une grosse veste. Ah non, ma vie, c'est... Là, tu vas pas faire les courses, t'es en mode tenue, t'as capté. T'es en mode, t'es en tenue, t'as capté. C'est quoi, t'as capté? T'es en une tenue en mode. T'as capté. Quoi? Parce qu'elle a ma tenue. Mais là, tu vas pas contre une prostituée, tu sors pas comme ça. Eh, tu parles pas comme ça, t'es malade ou quoi? Comment ça, une prostituée? Je suis jaloux. Une petite jupe en cuir? Bon, tu peux baisser là, on va voir ta culotte. Bon, j'y vais. Un petit coup de vent avec le froid dehors et tout, on voit toutes les fesses. Non, mais j'ai t'acheté pas en friandise. Non, tu vas même pas faire les courses, t'es une menteuse. T'es une menteuse, tu vas même pas faire les courses, tu vas me tromper. Mais pas du tout, je vais faire les courses, ma vie, regarde, tiens. Oui? Tu sors pas comme ça, je sors avec toi. T'aimes bien ma tenue? C'est super. C'est bon, je vais faire les courses. Bah oui. Ben voilà, on y va. Vous allez où? Bah on va faire les courses. Bah oui, je suis prête. Et bah je viens avec vous. Bah non. Non, bah non. Non, non. Allons-y. Mais non, mais oui, allez, laisse-la aller faire les courses avec sa belle-mère, non? TikTok nous décrit avec un son en fonction de notre photo avec ma belle-mère. Oui. Tu bouges pas, hein? Non. On va voir. Reste concentré. Reste concentré sur toi, sur tes rêves, sur ton évolution et sur les gens qui comptent vraiment pour toi. Personne se place entre toi et toi-même. Entre toi et ta paix. Le monde extérieur est très bruyant. Oh, toujours quelque chose à dire. C'est un message pour toi. Reste concentré. Je suis choquée. Sur toi, sur tes rêves. Tes rêves. Sur ton évolution. Mon évolution. Sur les gens qui comptent vraiment pour toi. Jamais je laisserai. Le monde extérieur est très bruyant. Ok, vas-y, viens, on essaye, moi. Je t'ai pas dit de faire ta belle, hein. Ouais. Bouge plus. Oh, je suis choquée. Ah bah, c'est un message pour toi. Non, Oh. 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 Viens ici tout de suite. Viens ici que je te défonce. Je viens de me réveiller et c'est parti. On va voir si mes boucles sans chaleur ont marché. Qui ont un mec. Faites pas trop ça parce que c'est pas très glamour pour dormir. Je tiens à préciser que c'est la deuxième fois que j'essaye de faire ces boucles en chaleur. J'ai regardé plein de tutos avant de le faire. Allez, je vais commencer par retirer ce côté. J'ai trop peur. Ah non, mais imaginez que là, ça a pas marché. Ça a pas marché. C'est quoi ça? Je les ai fait vraiment sur cheveux mouillés. Genre, je me suis lavé les cheveux hier soir. Attendez. Ah, mais c'est hyper court. Ok, vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Waouh! Je suis outrée. Ça a beaucoup mieux marché que la première fois. J'ai des boucles sans avoir abîmé mes cheveux. Oh, je suis trop contente. On dirait que j'ai un sorti du coiffeur. Oh, imaginez avec un beau maquillage et tout, parce qu'avec ma tête de cul, ça va du tout. Ah, je vous jure, qui veut que je vous fasse le tuto? Je vais vous faire le tuto là, je suis trop fière de moi. Get ready with me. Les filles, gros problème, aujourd'hui c'était censé être le jour de pause. Sauf que ce matin je me suis réveillée et j'avais pas envie, genre je vous jure j'avais pas envie de faire la pause. Enfin en fait j'ai envie de faire la pause, mais j'ai envie de savoir tout ce qu'il fait, j'ai envie de lui envoyer des messages et tout. Et dans les commentaires on m'avait dit que bah ça c'est pas une pause justement, la pause genre c'est prendre du recul etc. En fait je sais pas si vous vous rappelez mais quand j'avais annoncé qu'on allait faire une pause déjà, on était en vacances à Cannes. Et en fait genre à Cannes il y a une semaine on s'embrouillait genre vraiment tous les jours, genre 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup je lui avais dit on va faire une pause et tout pour en gros le calmer, pour lui faire peur en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que maintenant on vient de rentrer à Paris et genre là c'est lui qui me parle de pause tous les jours. Genre le mec il est trop heureux de faire une pause, on dirait que je vais le libérer de prison. Du coup la pause de base c'était pour faire chier et en fait là j'ai l'impression que ça se retourne contre moi et qu'il est content. Et c'est pour ça que je me suis réveillée, genre j'avais plus envie de faire la pause parce que je me suis dit comment ça il est content de faire une pause alors que de base genre c'était pour faire chier. Et du coup ce matin j'ai fait ma meuf aigrie, j'ai commencé à dire ouais c'est bon, il n'y a plus de pause. Comment ça dans un couple il y a des pauses? Genre si je fais une pause c'est fini, c'est soit c'est fini soit rien. Je sais pas quoi faire, genre je sais qu'en vrai une pause ça nous ferait grave du bien. Mais une vraie pause, genre pas avoir de contact et tout. Parce que même lui hein, il fait genre la pause mais il va m'appeler tous les deux minutes pour voir ce que je fais. En fait là comme on s'embrouille pas du coup on n'a pas trop envie de faire de pause et tout. Genre pour une fois qu'on s'embrouille pas on a envie de rester ensemble. Mais je pense que quand on va s'embrouiller la pause va arriver.
Surtout qu'il est trop bizarre, genre, avant-hier, je dis ok, on fait la pause et tout, mais moi je reste dans l'appartement, genre, je reste ici. Il m'a dit non, chacun va chez nos mères et tout, machin, genre, en mode pourquoi tu veux pas que je reste toute seule ici en fait. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est mieux qu'on fasse une pause ou pas, ou si genre ça sert à rien, genre. Regardez, y'a qui avec moi, toujours à mes côtés. Enfin bref, je vous tiens au courant et dites-moi ce que vous en pensez. Celle qui fait le meilleur score gagne la boîte entière de Kinder Maxi. Je commence. Donne-les-moi. Ah non. Sauve Nemo déjà. Oh putain, oh non. Maintenant il y a la croix, il y a la vas-y. Oh bah tu t'es fait bouffer. Attends, par le requin. Attends, mais là c'était un père à moi. Nemo. Et comment s'appelait la meuf de Nemo là? Je sais pas. Oh ah, 78 déjà. Un coup sec hein. Ok, déjà, ok. La manche elle est pour moi. Allez, je me concentre. Allez, c'est parti. Oh non! Ouais, mais toi, tu es nul, il crève le poisson avec toi. Ça fait crever le poisson, celle-là. Dernière chance pour moi. Oui, mais comme j'ai commencé, je mérite une troisième chance. Non, mais hey, à chaque fois, elle me l'a fait à l'envers, celle-là. Attends. Oh! T'as refait le pas la même score. Ok, à moi, du coup, bah, tout à fait ex-écho. Donne-moi la boîte de Kinder. Attends, comme ça, on est sûr, on est partagé. Vas-y. Je fais ou pas? Oui, vas-y. Allez, vas-y. Là, faut que je batte 78. Boum! Non. Non! Oh non! J'ai acheté avec la carte Azizou, mais ne lui dites surtout pas. On commence par Sephora, les filles. J'ai pris un blush de Charlotte Tilbury. D'ailleurs, je l'ai essayé aujourd'hui, il est trop canon. Avec l'anti-cerne Rare Beauty, j'aime trop. Ensuite, chez Andy's, j'ai pris un maillot de bain, les filles. Il est trop canon. Attendez, je vais vous montrer. Donc, c'est un maillot de bain, une pièce, les filles. Regardez, en fait, il a des coupures comme ça. C'est incroyable. En plus, la couleur, comme vous êtes trop bronzées, pépites. Ensuite, on passe à Zara. Je commence avec ces magnifiques boucles d'oreilles. Elles sont incroyables. En plus, elles étaient vraiment pas chères, genre 12 euros. Ensuite, j'ai pris que des shorts. En fait, j'avais aucun short, j'ai pris la dose de shorts. On commence par ce magnifique short à paillettes. Il est trop trop beau. Ensuite, un short noir basique. Je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Un short bleu déchiré, ça change tout, j'aime trop. Les filles, ce short, il est incroyable. C'est une pépite, je l'ai essayé. C'est un short, mais beaucoup plus long que les autres, en fait. J'aime trop. Ensuite, j'ai pris cette chemise que j'ai mis dans mon Get Ready With Me hier. Et en fait, c'est une chemise courte. Franchement, j'aime trop le mood. Le dernier article, les filles, j'ai complètement craqué pour un maillot de bain. Je vais vous montrer la pépite. Regardez-moi comment il est trop beau. Franchement, Zizou, il va être trop content parce qu'il coûtait bien cher. J'ai envie de classer mes nouvelles tenues de coiffure. Ah, blague à part, ça me va trop bien. C'est ça? On dirait Charlie et la chocolaterie. Oh, c'est moche. Non, je m'en dis... Non, 5. 5? Et la coupe numéro 1, tu sais je l'ai fait. Si c'est non. TikTok, il va prendre 20 000 likes. On dirait un chien, là. Tu devras non, faire la coupe non, numéro 10. 1 qu'on a mis. Non, ça c'est moche. Non, mais arrêtez, commencez pas. C'est moi, t'as entendu? Non, là, ça fait... Non, on dirait j'ai 60 ans. Là. Moi, non, j'ai entendu. 9. Je t'écoute pas, tu dis des conneries. 10. Je suis pas bébé. Non. Pas une Barbie. Oh, c'est beau, ça. Oh, ça te va bien, le noir? Vous en voulez une? Black to black. Ah, j'ai envie de les dégommer. C'est pas si moche. Franchement. 7. 7. 6. 6. 7. 6. 6, il y a pire. 6, il y a pire. C'est pas bon. On dirait deux moustaches. Ah non, ça c'est horrible. Ça, c'est 7. Non, 7, ça c'est moche. Et c'est maman, c'est que c'est le TikTok qui fait plus de 20 000 likes, tu devras faire la coupe. Hein. Ah ça, j'aime bien. Ah, ça me va bien. Ok. 4. T'aurais pu mettre en 1, ça. Ah, on dirait que t'as les cheveux gras. Bon, maman, tu veux cette coupe ou tu prends le risque d'en avoir une pire? Je prends le risque d'avoir une pire. Franchement, ça c'est à peu près... Tu devras faire la coupe numéro 2. Hein? Non, non, je t'ai plus de 20 000 likes. You surprise.
Alors, après les fleurs, c'est le gâteau, le pot gâteau, suivant nos prénoms. Ouais. On n'est plus Carolina, on n'est plus Samantha, hein, c'est les vrais prénoms. Non, on est Anya et Olivia, donc... Allez, je commence. J'espère que je vais avoir un beau gâteau. O, oh L, oh hein. Ah, il est gros déjà de base comme ça. Il est où le I, je vois là. Pas. Je te jure, il est énorme. V. C'est là. Ouais. I et A. Wow, t'as une pièce montée presque. Et ça, c'est quoi ça? Ça? Oh, des bougies. Ah, il est trop beau ton gâteau. Wow. Je suis jaloux, okay. Mais on dirait pas un dalmatien, voilà. Tu vois. Non, moi, le mien, il est comme ça. Hein. Ok, moi, je suis sûre qu'il est trop beau. Il va être trop choupi, moi. Ok, le mien. Il a 4 lettres. A, N, I. Oh, regarde, il est rose déjà. Il est beau. Oh, j'ai pas l'étage au-dessus. Il est nu ton gâteau, ma vie. Il est un petit peu bas. Ah, waouh. Pourquoi il y a 3 bougies, toi? Et moi? Ah, il est beau. Non, et franchement, il est beau quand même. Moi, je trouve que même sur le truc au-dessus, et il moi... est beau. Mais toi, on s'en fout, toi. Toi, il n'y a pas pour toi. Il n'y a pas, t'as des bouges. Ouais. Dites-nous lequel des deux gâteaux est le plus beau. Le mien, il est choupi quand même. C'est le mien. Non, c'est le mien. Le truc en-dessous, il sert à rien. Bon, mon cœur, c'est parti. On va faire une mise en situation. Comment tu te comportes quand je suis pas là, ok? C'est parti. Ah, c'est bien, tu commences bien. Bonjour monsieur. Vous allez bonjour madame. Vous êtes tout seul? N'osez pas vous battre sur moi là. Vous êtes très charmant. Ah, vous êtes vous êtes agressif, hein. Ne me touchez pas, je suis en couple. Ma copine, elle arrive là au parking. Je suis elle est pas là pour l'instant. Je t'ai dit, ne me touche pas, espèce de petite pétasse. Ah, j'adore. Et maman, dans ta gueule, tu vas voir si t'adores. Tu vois, comme. T'as vu moi? Moi, c'est rien. Ma copine, elle va arriver, elle va t'arracher tes cheveux, elle va te rendre aveugle. Non, mais là, t'as accepté mon bisou, hein. Mais non, je l'ai pas accepté. Mais si, tu t'es laissé faire. Oh! Ah, tu rigoles! Tu rigoles! Ah, je rigole pas. C'est sérieux, t'as kiffé, là? J'ai jamais dit que j'avais kiffé. Si, tu rigoles. Oh, t'es un clochard. Attends, refais. Bonjour. Oui. Je vais t'arracher ta tête, tu vois. Embrasse-moi et ma copine, je l'appelle et elle va te tuer, elle va te tuer, intégrer dans une tombe ce soir. Ok. Merci, c'est bon. Parfait. T'as réussi, t'es mon bébé. Touche pas. Mais c'est Anya là. Mais c'est moi, vas-y. Bye bye l'Egypte. Mais pourquoi t'es triste? Est-ce qu'on va rentrer avant notre appartement cambriolé? Ah bah j'ai oublié qu'on s'est fait cambrioler. Bon bah les gens, direction Paris. Et direction le commissariat en rentrant en France. Pour pouvoir récupérer notre appartement qui a été cambriolé. Aïe aïe aïe, je sens que ça va être long cette journée. Bye bye la mère. Bébé, ça y est les gens, on vient d'arriver à l'aéroport. Bye la valise, thank you. Les gens, je vous explique, pour une fois, on est en avance à l'aéroport, notre vol il est dans 3 heures. Bébé, tu veux un sac Chanel, je te l'offre. C'est des faux. Ouais. Les gens, c'est la première fois qu'on a le temps de manger à l'aéroport. Les gens, je vous jure, on est en retard pour monter dans l'avion. Bon les gens, je vous explique, on vient d'arriver à l'arrêt aéroport de Paris. Donc du coup, on a pris toutes nos affaires. Donc, maintenant, notre mission bébé, c'est de rentrer à l'appartement. Regardez là, elle a déjà le seum parce qu'elle sait qu'elle va rentrer dans l'appartement, il n'y a plus rien. Moi, je suis en train de rigoler, mais quand on va rentrer à la maison, je vais chialer. Donc là, bébé, je t'explique la mission. On rentre à la maison, on fait ouvrir la porte. Ensuite, on doit aller au commissariat, on va faire les empreintes. Et après, on n'a plus de domicile, donc on est sans domicile fixe. Bref, les gens, on vous tient au courant. 4,5 mi. Vous devinerez jamais où je suis en train de faire mon 4,5 mi. Je vous explique, de base, on devait rentrer aujourd'hui à Paris. Et comme avec Zizou, il y a toujours des surprises, et je me suis retrouvée littéralement à Cannes. Je vous assure que c'était vraiment pas prévu parce que sa mère reprend le travail le 3 août. Mais du coup, il a prolongé jusqu'au 2 août, comme ça, elle pourra reprendre le travail le lendemain. Je vous explique, ça va être plage tous les jours pendant les deux derniers jours. Je veux clairement revenir toute bronzée à Paris, surtout vu le temps qu'il fait, ça donne pas trop envie. Je vous jure qu'en vrai, heureusement qu'il a prolongé parce qu'on pouvait pas finir nos vacances sur Saint-Tropez. Cannes, c'est trop notre ville chouchou, genre on a trop l'habitude d'aller là-bas et tout, en été on aime trop. Bébé, tu trouves une grosse bite là? Oh! Aujourd'hui on est arrivé vers midi à Cannes et on est parti directement à la plage. C'est trop la honte, j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie à la plage jusqu'à la fermeture. Genre carrément c'est la meuf qui est venue me réveiller pour demander de payer. Je vous avoue que ce soir je vais trop bien dormir, comme ça demain je me lève tôt et rebelote à la plage. Là je suis en train de me préparer, de me faire belle parce que ce soir on va aller manger au restaurant sur la Croisette, ça m'a trop manqué. Maintenant je vais attacher mes cheveux avec du gel aloe vera. Voilà les filles, j'ai fait un petit chignon plaqué, j'aime trop. Je me suis maquillée très légèrement. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, maintenant je suis prête, faut que je m'habille et faut que j'aille parce qu'il fait déjà nuit. Bisous. 4,5 mi. Aujourd'hui, je vais aller faire mes extensions de cils. C'est la première fois que j'en ai jamais fait de toute ma vie. Je cache pas, j'ai un petit peu peur de les faire parce que j'ai tellement entendu de choses, genre comme quoi il y avait des femmes, elles avaient des infections et tout par rapport aux extensions de cils que
Voilà, mais normalement, ça va bien se passer. Surtout que là, je vais dans un vrai salon. Je vais pas dans un petit wig, donc y a pas de raison. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au début, j'ai pas fait mes sourcils parce que je vais aller refaire mon microblading des sourcils. Je suis trop contente, je suis la plus heureuse du monde. Le microblading, ça change vraiment toute votre vie. Vous avez plus besoin de faire vos sourcils le matin. Et là, j'aurais plus besoin de faire mes sourcils et mes cils. Alors là, franchement, j'ai gagné grave du temps. J'aurais peut-être pas dû maquiller mes yeux parce que après, je peux pas me démaquiller. Je sais pas là. Bon, tant pis, sinon je me démaquillerai là-bas. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais demain c'est le dernier jour de Cannes en fait. Genre demain, on doit quitter la chambre. Je suis clairement pas prête mentalement. Je viens de remarquer que j'ai pas fait mon contouring. En fait, les extensions et les cils là, ils me perturbent. Du coup, je disais en fait, la mère à Zizou arrive demain dans le sud et nous, on est censé partir demain. Et avec Zizou, en fait, on est en train de voir si on va faire une surprise à sa mère, genre si on reste dans le sud avec elle. Bien sûr, elle est pas au courant, mais c'est pas sûr encore, on sait pas ce qu'on fait. Après, je pense que ça lui fera trop plaisir parce que ça fait au moins 15 jours qu'on l'a pas vu. Bon, du coup, demain, je vous tiendrai au courant de ce qu'on a fait. Mais ça se trouve, ça va être comme back to Paris. J'ai pas envie. En plus, il a l'air de faire froid, de faire gris. Bon. Je suis prête. Je vais à mon rendez-vous, les filles. Vous inquiétez pas, je vous ferai partie 1, partie 2. Mes cils, mes sourcils, vous allez trop kiffer. Je drague un mec en plein live devant lui pour voir sa réaction. Je suis choquée. Ça va et vous? Salut Eddie. Eddie, j'ai 22 ans. Merci beaucoup, c'est gentil pour ce compliment. Mais attends, je regarde ta photo de profil, toi aussi t'as l'air pas mal, hein, Eddie. Attends. Ah ouais. Oh Eddie, tu m'as dit que tu fais, je suis en live là. T'as l'air pas mal. Il m'a dit que t'es belle, merci beaucoup, Eddie, ça me fait trop plaisir. Tu penses que mon copain il va aimer? Donc ça y est, je te fais un prank, je te fais genre des. Ouais. Je suis célibataire maintenant. Oui, Eddie, je suis célibataire, lui c'était mon ex. Eddie, viens m'aider! Madame, Eddie, viens m'aider! Et là, les gens dans les commentaires. Vous dites rien, les gens dans les commentaires? Oui, j'habite à Paris, Eddie. Vas-y, bloque-moi, c'est Eddie. Vas-y, bloque-moi, Eddie, t'as un ZB là. Non! Ah non, je rigole même pas. Mais laisse-moi parler. Je rigole même pas. Je ne rigole même pas. Je ne rigole même pas! Couvre-moi ce putain de live! Eddie, va sur mon Insta. Anya, couvre. Eddie, va sur Insta. Anya, prends quelqu'un. Coupe-moi ce live! Eddie, je dois partir. Dégustation du McDo d'Egypte. Nugget spicy. J'ai trop hâte de goûter, j'aime trop quand ça pique. Et y a pas ça en France. Sauce barbecue. Ça pique pas? Ça pique pas? Ça pique? Un filet chicken, y a pas ça en France. Et moi, un sandwich à la moutarde, y a pas ça en France. Il est énorme. Oh, je te jure, il est trop bon. La sauce, elle est trop douce. Moi aussi, elle est blanche. Elle aime les sauces blanches. McFizz passion. Et moi, McFizz strawberry. Chicken stripe, mais il n'y a pas ça en France. Écoutez. Tiens. Avec une mayonnaise spicy. Et moi, avec une moutarde. Un fish halal. Et des nuggets qu'il y a en France. Mais bon poisson ici. Tout est bon ici. Là, c'est comme une apple pie, mais dedans, c'est à la fraise. 1, 2, 3. Là, c'est comme ça. Ah, c'est chaud. Trop bon. Les filles, gros problème. Je viens de me réveiller. Mes sourcils, c'est bon, je commence à m'habituer. Et là, regardez les filles, j'ai brossé mes cils. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça fait ça. J'ai envie de pleurer. En plus, je peux même pas les retirer toute seule. Parce que sinon, ça va m'arracher tous mes cils. Et là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il en manque ici. Je sais pas si vous voyez. On dirait qu'il y a des trous. Je sais pas quoi faire, en fait. Je peux pas rester comme ça. J'ai trop honte d'aller dans le salon pour lui dire, en gros, que bah là, ça tombe, que là, il manque des trucs. On dirait que j'ai des trous. J'ai trop honte. Oh my god, regardez dans le lit, je retrouve quoi? Bon, du coup, c'est bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Et là, je vais me rendre à l'institut pour voir ce qu'on peut faire. Les filles, je suis devant le salon, j'ai trop peur. Je sais pas si je rentre. Du coup, ça va? T'es déjà là? T'as mis ta tête dans l'eau, je suis sûre. Non, j'ai pas mis ma tête dans l'eau, je te jure. Oh là là, vas-y, allonge-toi, on va voir qu'est-ce que je peux faire. C'est vrai? Oui. Merci. Bon, les filles, je me rallonge sur le billard. Et elle va s'occuper de moi. Elle m'a remis le patch sur l'œil, je ne peux plus ouvrir les yeux pendant une heure. J'y vais appliquer le booster. Ouais. Que tes cils tiennent bien pour fixer la colle. Ok, merci. Les filles, regardez les résultats. C'est trop beau. Et là, c'est sûr ça va tenir. Oui, c'est sûr. Si tu mets pas ta tête dans l'eau. Non, je mets pas ma tête dans l'eau. Promis. Voilà, tu touches pas. J'aime trop, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. J'ai tout essayé pour rester à Cannes. Allez, vamos locos. Come to Paris. Non, ma vie, non. Quoi?
On recommence. On peut pas partir. Si, on peut partir. Non si on... Non. Je te jure, j'ai encore oublié quelque chose. T'as oublié quoi encore? J'ai oublié mon porte-monnaie. T'as une mytho, il est dans ton sac. Non. J'ai oublié encore quelque chose. Quoi? J'ai oublié les clés de la maison. C'est pas grave, j'ai gagné. Non, je rigole, j'ai oublié encore quelque chose. Quoi? J'ai oublié mes lunettes de soleil. Bah, c'est pas grave, tant pis pour toi. Non, s'il te plaît, ma vie, j'ai oublié. J'ai oublié mes chewing-gums. J'ai pué de la gueule quand je t'ai. Quand je vais te faire des bisous, j'ai pué de la gueule. Je m'en fous, tu m'embrasses pas. Non, j'ai encore. Oh ah, je sais ce que j'ai oublié. Quoi? J'ai oublié mon permis. Eh bah, tant pis pour toi. Non, j'ai oublié mon passeport. Ma vie, je te jure. On rentre à Paris. Y'a ma chaîne qui m'attend. C'est qui ta chaîne? Bah, ma chaîne. C'est qui ta chaîne? Bah, mon chien. Mais t'attends pas, j'ai même pas où t'es. Ma vie, s'il te plaît, je te jure. Attends, je sais ce que j'ai oublié, ma vie. T'as oublié quoi? J'ai oublié ton cadeau d'anniversaire. Je m'en fous, Yazebi. On y va. Si t'es pas content, tu dégages.